Bonsoir, la grisaille s'est invitée à Rennes aujourd'hui dans la mesure où la ville se situait sous la perturbation qui ondulait sur le nord-ouest, mais celle-ci était heureusement peu active. Le thermomètre a débuté ce matin à 6 degrés avant de se hisser doucement jusqu'à 12 au meilleur de la journée. Et puis demain, les nuages seront chassés par un beau soleil qui brillera de tous ses feux. Alors cette fameuse perturbation dont je viens de vous parler et qui s'est infiltrée sur le territoire fera doucement baisser les températures qui resteront cependant encore douces et homogènes demain matin avec 11 degrés attendus à Biarritz ainsi qu'à Perpignan. Il fera 9 à Bastia, 6 degrés du côté d'Abbeville, 4 à Dijon et on attend 2 degrés à Aurillac. Alors demain matin nous retrouverons cette fameuse perturbation entre le Poitou-Charentes et les Ardennes. Elle sera précédée et suivie de nuages gris. En revanche, sur les autres régions, le voile nuageux sera fin, voire quasi inexistant sur les bords de Manche et le quart sud-est du pays. Dans l'après-midi, la grisaille s'étirera encore du Poitou et du sud de l'Occitanie au Grand Est. Il faudra toujours noter cette ligne pluvieuse entre l'Indre et la Lorraine. Sur les autres régions, il n'y aura pas de grands changements, les éclaircies se montrant extrêmement généreuses. Les températures dans l'après-midi seront encore supérieures aux moyennes de saison avec 18 degrés relevés à Perpignan ou encore à Grenoble. On attend 16 degrés à Marseille, il fera 14 à Strasbourg, 12 degrés du côté de Bourges et 9 à Cherbourg. Et puis, samedi, notre perturbation traînera en longueur, donnant encore des nuages et des averses sur le centre-est. Sur la moitié sud du pays, le voile nuageux sera présent, alors que plus au nord, une bise dégagera le ciel et ne sera pas totalement innocent dans l'apparition de gelées matinales sur les régions concernées. Dimanche, des passages nuageux traverseront le quart sud-ouest de l'Hexagone. Partout ailleurs, les conditions seront largement anticycloniques avec le maintien d'un temps très ensoleillé. Lundi, pas de réelle évolution car comme vous le voyez, les hautes pressions seront encore en place. Quelques nuages légers sur le nord-ouest et des entrées maritimes autour du golfe du Lion. Et puis le thermomètre repartira à la hausse et on se rapprochera de la barre de 20 degrés au pied des Pyrénées. Mardi sera une copie de lundi, les entrées maritimes en moins, le soleil s'imposera de l'aube au crépuscule faisant dépasser les températures de 5 degrés par rapport au normal de saison. Mercredi, petit changement à noter avec un voile nuageux qui s'étalera sur les régions situées au-dessus de la Loire. Des averses seront même à prévoir sur les Hauts-de-France et elles se déplaceront légèrement vers l'est jeudi. La masse nuageuse descendra sur la Normandie, la Bourgogne et le nord de l'Alsace. Pour les autres, là encore, le soleil brillera sans aucune concurrence. À noter cependant un léger mistral qui devrait se lever en Méditerranée. Ce soir, de nouveaux épisodes de votre série This Is Us vous attendent sur M6 à partir de 21h. Très belle soirée à tous et on se retrouve demain.